Dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment effectuer quelques opérations de montage à l'aide du logiciel Format Factory. Principalement, nous allons mettre à bout deux vidéos en les découpant, donc mettre deux extraits vidéo à la suite. La fonction de Format Factory nécessaire pour cette opération est la fonction Advanced et le choix vidéo concentration. Donc montage vidéo. La première chose à choisir concerne le paramètre de destination, c'est-à-dire de quel type de vidéo, quel est le type de vidéo que l'on veut avoir au résultat. Donc avec des choix qui ressemblent au menu principal vidéo, donc suivant que l'on veuille du MP4 ou du FLV, qui sont les deux formats principaux pour une mise en ligne. Donc réglage du format vidéo, réglage de la qualité souhaitée, donc la qualité qui va se traduire par une taille, par une résolution de la vidéo, choix par la liste déroulante et validation par OK. On va ensuite apporter les différents fichiers sources de notre montage par le bouton ajouter un fichier qui va nous permettre d'aller chercher les différents éléments. On va aller chercher un premier extrait vidéo, puis un second, et plus si besoin, on pourra imaginer également faire un travail avec plusieurs extraits du même passage vidéo pour en prendre deux séquences. Ensuite, pour chaque extrait vidéo, on va régler l'extrait que l'on souhaite avoir avec le bouton Option. Le bouton Option nous permet d'obtenir une fenêtre de sélection du passage vidéo souhaité. Grâce à la lecture de l'extrait avec ces boutons de commande ou au curseur, on va pouvoir positionner l'endroit dans la vidéo où l'on souhaite faire cette extraction, et on réglera l'heure du début ici pour avoir le démarrage de la séance et le temps de fin avec heure de fin pour régler la fin de l'extrait. Un bouton sur OK pour valider le choix. On effectuera ensuite la même opération sur le deuxième extrait vidéo que je vais faire ici un petit peu rapidement en positionnant simplement à deux endroits. Voilà. Validation à nouveau. Une fois ces deux paramétrages effectués, l'ensemble des paramètres effectués, on cliquera sur OK pour valider le choix. On lancera ensuite la conversion avec le menu démarrer. Voilà, la conversion est terminée. Dans le dossier de destination indiqué ici, on va pouvoir trouver notre fichier converti. Voilà, il est ici. Donc, je l'avais demandé ici au format FLV. Voilà pour ce tutoriel sur les bases de montage avec le logiciel Format.